Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 16 août aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro pour le mois de septembre 2023. J'ai déjà fait les signes Vierge, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Taureau et Gémeaux. Donc vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui sont déjà publiées. Voilà, on va regarder du coup là, il reste donc 5 signes à faire. On va regarder de quel signe on va parler maintenant. Je vous rappelle quand même que ce sont des guidances générales, qu'il faut rester dans le discernement, que si vous voulez des guidances privées, personnelles, vous pouvez me contacter, vous avez le lien de mon compte Instagram en première page de YouTube. Ou alors sur mon mail calypsowitchsociety@gmail.com, pardon, ce sont évidemment des prestations payantes. Voilà, donc vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et puis liker, commenter, tout ça, hein. Ça fait plaisir. Allez, hop, on va prendre du coup le poisson. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour les poissons pour le mois de septembre 2023? Donc si vous êtes poisson en solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire pour les petits poissons? Ok, j'ai le 3 de bâton qui s'est retourné. C'est les opportunités et les amants. Mais elle veut se retourner à chaque tirage, cette carte. Ok. Ok, ok. Ok, du coup, 4 de bâton à l'envers. Ok. Ok, je regarde ce que c'est. Je pense que c'est comme si, en fait... vous voulez vous attirer à quelque chose. Bon, on va faire une coupe du coup. Qu'est-ce qu'on va nous dire à cette coupe? Alors, on a le 7 d'épée. Ok. Alors, j'ai un peu l'impression, avec la carte d'avant, qu'on veut vous attirer vers quelque chose, mais qu'il faudrait pas y aller, en fait. Parce que le 7 d'épée, vous voyez la carte, en fait, c'est la carte un petit peu de la malhonnêteté, du vol, tout ça. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Oui, on vous dit de lâcher prise par rapport à quelque chose, peut-être qui, où on vous a attiré, où on vous a fait miroiter des choses, vous voyez, peut-être c'est l'idée un peu de ça. D'avoir fait miroiter des choses et en fait peut-être c'est le passé du coup ça et on vous dit de lâcher prise vis-à-vis de ça. Ou de vous méfier si c'est pas passé. Ah vous voyez le diable. Non mais voilà, j'ai le sentiment que on vous fait un peu miroiter. J'ai le miroir aux alouettes, un truc comme ça dans la tête donc... Ok, bah ça peut être sur du sentimental, ça peut être sur un choix. Vous voyez, elle veut encore sortir la carte des amants. Donc, ok. Le fou. Je regarde ce qu'il y a après. 3 arcanes majeures encore. Mais un truc de fou, ces tirages. Que des arcanes majeures, quasiment, sur tous les tirages. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Le jugement, ok. Oh là, il y en a deux là. La tour et la tempérance. Bon, écoutez, je prends les deux du coup parce que... ok, bon, ça en fait 6, c'est pas grave. Je pense qu'il y a quelque chose de pas très net, en fait, autour de vous. Il y a un choix, en tout cas, à faire. Peut-être, on vous dit de faire attention au niveau du choix. Il y a des choses, peut-être... peut-être qu'il y a une voie... C'est un peu une entourloupe dans le sens... Alors, c'est pas forcément... je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est pas forcément super négatif, mais c'est genre peut-être une fausse voie, une fausse route. On vous fait croire des choses et c'est pas forcément la vérité. Ça peut être professionnel, ça peut être pour le sentimental, vous voyez. Peut-être que vous avez un choix à faire.
sur le sentimental ou sur un autre sujet. Et il y a un des deux choix, il faut faire attention. Parce que c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est un peu l'idée. Hein. Donc, voilà. Mais du coup, en fait, avec le fou, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en fait qui va un autre chemin. Où vous allez plus vous retrouver, vous. Parce que le jugement... J'ai un peu l'idée que c'est vraiment l'acceptation d'être soi. Vous voyez, il y a un autre chemin et je pense que avec la tour, je pense que l'univers va vous pousser vers ce chemin, vers cet autre chemin. Parce que l'autre, là, il manque, avec la tempérance inversée, j'ai un peu l'idée que vous manquez d'équilibre ou vous manquez de... C'est quelque chose qui n'est pas équilibré dans la situation actuelle. Je vous dis, vous analysez à votre sauce, mais ça peut être comme c'est... Oui, c'est le côté général. Je ne sais pas si j'ai dit, je suis d'abord du général, après je vais parler du sentimental et après du professionnel. Mais du coup, sur le côté général, donc ça peut être sur tous les plans, il y a quelque chose de pas très net dans la situation. Peut-être une tierce, peut-être, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais il y a une voix, c'est pas ça. L'autre, c'est ok, mais on va vous pousser à y aller. Parce que peut-être que pour vous, la tentation est grande d'aller sur la première. Mais voilà, on va vous pousser parce que ça ne va pas être équilibré si vous allez sur l'autre, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là, donc voilà. Du coup, on va regarder côté sentimental maintenant. Avec le grand oracle de l'amour. J'ai une carte qui s'est échappée. J'ai le stop. Hein. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas bon. On est bien d'accord, vous voyez. Il y a quelque chose, on vous dit stop. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit? La jalousie et la rencontre. Je pense que du coup, effectivement, il y a un truc au niveau. Parce que les amoureux, ça peut être voilà, un choix entre deux personnes. Il peut se passer pour certains qu'il y a un choix entre deux personnes. Une qui est un peu jalouse, qui ne vous convient pas, ou c'est pas équilibré. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais, hein, mais c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas forcément honnête, ou vous qui n'êtes pas honnête dans la situation parce que vous voyez que ça ne vous convient pas et que vous ne bougez pas, parce que là, on va vous forcer à bouger. Et il y a une rencontre, il y a quelqu'un d'autre. Donc... Ok, vous voyez? Stop. Et je les fais sauter mes cartes. Hein, donc, il faut stopper quelque chose. Ok, on vous met quelque chose d'autre sur votre route. Il y a la chance. Hein. Ok. Des projets. Et ça peut être aussi la naissance de quelque chose. Le projet, je vois. Il y a un œuf, enfin voilà, j'ai un peu l'idée d'autre chose. Hein. Ouais. La rencontre, les gars. La rencontre. Elles ressortent hein, les cartes. Hein. Donc, celle-là, elle n'a pas sauté. On ne prend pas. Oh là. Oui. On va prendre celle qui a sauté loin là-bas. Souplesse, ok. Donc du coup, bon, j'ai vraiment l'idée encore hein, d'un arrêt de quelque chose. Donc peut-être une situation, peut-être un schéma aussi avec le diable et le 7 d'épée. Peut-être un schéma répétitif que vous enchaîniez, on vous dit stop là. Stop. Maintenant, vous passez à autre chose. Donc c'est pour ça aussi, il y a peut-être voilà, ce chemin qui n'est pas bon. Ça peut être un chemin de schéma répétitif que vous aviez encore et encore et encore et encore. Et là, on vous fait comprendre que maintenant, c'est stop. On arrête ça et on passe sur quelque chose d'autre. Il y a une rencontre qui va être beaucoup mieux pour vous hein, avec la chance. Les projets, quelque chose de nouveau, quelque chose, une chance, hein, on vous met quelque chose sur votre route, mais il va falloir y aller, comment dire, souple, sur les papates arrière. Donc voilà, vraiment, on y va doucement en fait. Donc, mais il y a quelque chose qui se profile pour vous. Voilà, il faut ouvrir l'œil. Hein. Mais de toute manière, l'univers va bien vous mettre les choses, les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Hein. Donc je pense que ça va...
Et je pense que de toute manière, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Si c'est le cas de, si pour certains ça parle le schéma répétitif, qu'on vous fasse sortir de ce schéma, c'est pas une mauvaise chose. Pour certains, si ça parle la personne qui est pas forcément bien pour eux, c'est pareil, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est pas, il n'y a pas de mauvaise chose là-dedans. Hein. Donc, ça peut être du coup avec un bélier. Avec un lion. Ou une balance. Donc voilà, ça peut être ce qui se passe. L'ancien ou le nouveau, ça peut être bélier, lion, balance. En signe solaire, ascendant et lunaire, bien évidemment. Vous adaptez. Voilà. Donc on va ranger un petit peu le bazar de Calypso, n'est-ce pas? Et on va passer au pro avec l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? J'ai déjà la carte du prendre du recul, en fait, qui s'est... Quand j'ai coupé le jeu, Bon, au moins, il y a les guides. Même pour le reste, hein, mais vous êtes guidés, hein, il y a pas de souci. Vous êtes appuyés par l'univers, ok. Ok, enfermement et trahison. Ok, ben ça, c'est niveau pro. Ça n'a pas l'air d'être super top non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la roue qui tourne, un changement aussi au niveau pro. Ouais. En fait, par rapport à des choses qui ne sont pas forcément bien passées aussi niveau professionnel, on vous dit que là, la roue tourne hein, pour vous, hein, sur l'infortune. Donc. Allez, encore 5 cartes. Donc j'ai l'intelligence, ok. L'opportunité, j'ai le départ qui s'est retourné, du coup je vais la prendre. Voilà, j'ai des choses en fait qui vont, il y a un changement, qui vont du coup, je regarde ce que j'ai sous moi, il y a un changement, donc voilà, il y a un retour en fait vers du positif. La roue qui tourne, il faut ouvrir les yeux. Bien analyser les propositions. Il va y avoir, en tout cas, ça c'est un endroit où on discute, c'est un endroit social, la table. Voilà, donc pour moi, va y avoir des opportunités peut-être à saisir, hein, parce qu'il y a un départ, on s'envole. Donc pour moi, au niveau professionnel, il y a du changement aussi. Donc ça peut démarrer sur le mois de septembre. Voilà, on va tirer 2-3 runes. Runes que je fabrique et que je commercialise. Allez, les petites runes. C'est parce que je filme, du coup, j'ai changé de place. Ok, là, on est un peu en stand-by. Ingvaz, on dit que là, il y a un changement de direction aussi, donc pour le professionnel. Bon, ça va pas être évident pour vous. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait la tour au niveau du général. Parce qu'avec Nao 6, on vous dit qu'il y a quand même des difficultés qui sont devant. C'est pas insurmontable et ça va vous demander quand même de la patience et de la détermination, mes petits poissons. Et on va vers le succès. Donc, faut pas lâcher. Hein. Faut pas lâcher l'affaire. Ouvrez bien les yeux. Il y a des choses qui vont sortir pour vous. Peut-être que vous étiez dans une mauvaise passe actuellement. J'ai la stérilité là en dos de deck. Donc peut-être qu'il y avait une mauvaise passe pour les poissons. Encore une fois, je vous dis, prenez avec discernement, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, en fait, on ouvre les yeux, on devient plus lucide. Et en fait, les nuages se dispersent. On va vers le succès avec So Willow. Donc voilà, pour moi, du coup, il y a de l'amélioration au mois de septembre. Sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Voilà les petits poissons, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bisous, bisous, bisous.